pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Et je pense que nos ministres, nos dirigeants, même le président de la République, bon, il a l'immunité judiciaire, mais il faut qu'ils aillent devant les juges pour rendre compte de, pour moi, ce qui est un scandale et presque criminel. On est dans un délire total avec cette administration surpuissante qui dirige tout. Moi, j'en peux plus. Hein. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'ai honte pour notre pays. Moi, quand vous savez, j'ai fait la pétition avec Philippe Douste Blasi, que je salue, pour défendre la chloroquine. On a eu plus de 500 000 quand même signataires, ça n'a pas fait scier le président. Mais le lendemain de notre pétition, Olivier Véran a fait un communiqué officiel pour dire « Oh ben non, de toute façon, tout ça c'est pas prouvé, faut demander l'avis des sociétés savantes, il faut que tout soit prouvé. » Et les sociétés savantes, elles sont complètement corrompues. La plupart des sociétés savantes, elles ont des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur leur compte en banque, qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc là, j'étais totalement scandalisé par ce lien de beaucoup d'experts avec l'industrie pharmaceutique et cette corruption. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption qui a plongé des dizaines de milliers de Français dans la mort. Faut pas avoir peur des mots. Et il faut foutre un coup de pied dans la fourmilière et foutre en l'air tout ce système de décision en matière médicale, avec tous ces journaux médicaux qui sont totalement corrompus, y compris les plus grands. Depuis 20 ans environ, tout est parti aux États-Unis dans ce qu'ils appellent les grandes multinationales. Tout est contrôlé depuis Chicago, New York ou San Francisco, où les filiales françaises sont obligées de s'aligner. Et les sommes versées aux experts ont été décuplées. Donc la corruption a été multipliée par 10. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vu parce que moi, j'ai travaillé il y a longtemps un peu avec l'industrie pharmaceutique. On m'a donné de l'argent pour faire des conférences, Mais j'ai arrêté au bout d'un certain temps parce que j'ai vu que c'était grave. Parce qu'à partir du moment, en plus, quand j'ai commencé à prendre des positions publiques dans des instances, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas travailler avec l'industrie. Et dire ce que je dis. Pendant 15 ans, j'ai présidé le comité technique des vaccinations. Je peux vous dire que si j'avais accepté les propositions des fabricants de vaccins, je serais millionnaire aujourd'hui. Mais j'ai refusé parce que c'est pas ma vision de la médecine. La médecine, c'est de soigner les gens, de dire quand je soigne quelqu'un, est-ce que je le ferai comme si c'était pour moi, pour ma famille. Et tous les médecins généralistes aujourd'hui pensent la même chose. C'est une honte absolue que l'État, c'est une première au monde, ça s'est jamais vu, interdisent à des médecins de prescrire. C'est un scandale absolu quand on voit que le Conseil national de l'ordre des médecins a menacé de radiation des médecins, que la NSM, l'agence du médicament, a commencé à inquiéter des gens, y compris moi, parce que on a reçu dans notre service une lettre de la NSM en disant, mais comment ça se fait que vous ayez guéri des malades, c'est pas du tout normal. Vous n'avez pas guéri selon les règles. On est dans les médecins malgré lui, c'est Diafoirus. Voilà, c'est Molière. J'avais un collègue interne il y a longtemps dans la salle de garde du vieil hôpital Claude Bernard qui avait écrit sur les murs, il vaut mieux une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Bon, c'était de l'humour noir. C'est la phrase que Véran se répète tous les jours. Il y a une bonne autopsie qu'un traitement sans preuve. Et oui, attendons les preuves. Notre cher président Macron, avec Angela Merkel, a annoncé qu'ils avaient donné 8 milliards d'euros pour la recherche sur un vaccin Corona, alors que le Corona est en train de disparaître et que encore il y a quelques jours. Mais ils ont signé un accord, vous avez vu, avec Astra. Voilà. Olivier Véran a signé un accord. C'est quoi ce délire? Le virus est en train de disparaître. En plus, développer un vaccin, c'est très long, vous avez raison de le dire. Parce que quand il y a eu la pandémie grippale, qu'on a fait un vaccin, fabriquer un vaccin grippal, c'était déjà connu, il suffisait de changer le virus, ça pouvait être fait en 3 mois. Faire un nouveau vaccin, totalement en partant de rien,
sur le coronavirus, c'est une grande aventure parce qu'il faut déjà montrer sa tolérance, qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur des centaines ou des milliers de volontaires sains. Après, étudier son effet sur la population quand le virus a disparu, c'est impossible. Donc, ils vont nous faire des études sur quelques centaines de volontaires sains pour dire, voilà, on a, avec le vaccin, il y a des anticorps qui apparaissent, mais on n'a aucune idée si les anticorps sont protecteurs. Et en plus, il y a le scandale qui est en train d'apparaître maintenant, l'Institut Pasteur qui a validé, homologué 24 tests de sérologie. Ça, c'est pas la recherche du virus, c'est la recherche des anticorps pour voir. Et qui dit que les tests sont parfaits, alors qu'il y a un chercheur physicien qui a dit, mais c'est du délire, il y a un seul test qui est très bon, c'est un test chinois. Il y a 3-4 tests qui tiennent un peu la route, et les autres, il a utilisé le mot, c'est des tests pourris. Donc, on va nous faire croire que nous, Français, parce que moi, j'ai plein d'amis de loin qui m'appellent en disant, j'ai fait le Covid, j'ai eu la perte du goût, de l'odorat, des troubles respiratoires. Et les trois quarts, ils ont des tests négatifs. Donc, c'est-à-dire que ces tests ne sont pas bons. Oui, ils ne suffisent pas. On va nous faire croire, à nous, Français, que, oh là là, c'est très dangereux. Regardez, il y a 100 cas qui ont résurgé en Chine. Il y a, sur des milliards de Chinois, la pandémie revient. Et il faut tous vous vacciner. Et alors que le vaccin n'est même pas développé. Il faut attendre minimum un an. Donc, on est dans un délire total. Et on a raconté. Non, mais c'est toujours pareil. On a dit, donc, on a signé un accord, d'ailleurs, pas seulement la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, donc 4 pays européens ont signé, et puis évidemment, la fluctuation du cours de la bourse, tout de suite, c'est... voilà. Moi, j'étais très pro-vaccinal, j'étais vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour l'Europe, pour les vaccins. Les vaccins sont des médicaments, des structures fantastiques qui ont quand même sauvé des milliards de vies dans le monde, de maladies qui étaient terribles. Mmh. Donc, je ne suis pas contre les vaccins. Maintenant, où je suis d'accord peut-être avec l'autre éditeur, c'est qu'il y a une dérive, c'est que Bill Gates, moi je l'ai vu parce que je travaillais à l'OMS, Bill Gates maintenant est propriétaire d'une bonne partie de l'OMS. Je ne peux pas dire le chiffre exact, moi j'avais des copains qui travaillaient à l'OMS qui voulaient... Lui et la Chine, ils sont copropriétaires avec la Chine. Voilà, parce que j'avais des copains français qui voulaient titulariser, l'OMS n'avait plus un rond, les États participants ne payaient plus, et il m'a montré, un collègue m'a montré sa fiche de paye, c'était la fondation Bill et Melinda Gates. A été directement payé par la fondation Gates. Mais l'OMS appartient à Bill Gates, maintenant, c'est une notoriété publique. Et moi, j'ai même vu un gars qui représentait la fondation Gavi pour l'Alliance pour les vaccins de Bill Gates montrer des diaporamas superbes où il vaccinait tous les Africains en disant, regardez, c'est fantastique ce que fait Bill Gates. Et après, il y a un Français d'une organisation non gouvernementale qui montrait des diapos en disant, oui, c'est très bien d'avoir vendu tous ces vaccins, mais regardez où ils sont. Ils étaient dans des hangars sous la tôle ondulée. 80 degrés sous le soleil depuis des mois, alors que c'était des vaccins qui devaient respecter la chaîne du froid pour être délivrés. Et alors là, j'ai vu se décomposer le gars de Bill Gates qui est, après l'année d'après, oui, on a fait des efforts pour la chaîne du froid, mais ce sont des gens qui, eux, c'est leur business, c'est de vendre. Ils s'en moquent des Africains, mais ils affichent ça sur des diaporamas en disant on sauve l'Afrique. C'est... J'ai découvert, au début, je pensais que Bill Gates était un philanthrope, un gars très sympa qui sortait de l'argent de sa poche qu'il avait fait avec les ordinateurs. Pas du tout. Moi, j'étais dans la pièce, je peux vous le dire, il y a quelques années, au ministère des Affaires étrangères, quand Laurent Fabius, ministère des Affaires étrangères, a remis un énorme chèque à Bill Gates. Et moi, j'avais dit au ministère des Affaires étrangères, Bill Gates, c'est pas une charité, c'est pas un groupe philanthropique. Vous leur donnez de l'argent. Et puis après, les Africains disaient, la France nous avait abandonnés, heureusement que M. Gates est là pour nous aider. Et Bill Gates, il fait des millions de dollars de bénéfices sur les vaccins vendus pas cher aux pays en voie de développement. Le pauvre citoyen, il va pas pouvoir faire grand-chose à part aller dans la rue, mais je pense que vraiment, il faut mettre à plat tout le mode d'évaluation en santé. C'est pourri d'un bout à l'autre depuis 20 ans. Avec les grands journaux scientifiques qui publient des données foireuses financées par l'industrie. Et malheureusement, tous mes jeunes collègues, ils font leur carrière pour être professeurs. Ils doivent suivre le système, publier dans ces journaux. Donc, c'est
Vous voulez dire c'est un cercle vicieux. Ah, mais c'est un cercle vicieux parce que évidemment tous les gens de l'académie, les présidents des sociétés savantes, il peut y en avoir des vingtaines de sociétés savantes qui vont dire que je dis des horreurs, mais c'est la réalité. Ils sont tous pourris et il faut remettre tout ça à plat. Je peux pas faire ça tout seul. Faut qu'il y ait des hommes politiques courageux qui viennent dans l'arène pour dire stop et vraiment mettre un stop à toute cette corruption. Faut jeter dehors les lobbyistes à Bruxelles parce que les lobbyistes, l'industrie pharmaceutique fait partie des premiers, jouent un rôle. Moi, récemment, j'étais contacté par un gars qui était lobbyiste à Bruxelles, qui travaillait dans l'industrie. Il m'a dit, il y a 20 ans, il y avait zéro lobbyiste à Bruxelles, que quelques Américains, pas quelques Anglais. Et maintenant, les lobbyistes à Bruxelles, ils sont partout. C'est un métier qui rapporte. Voilà. Si vous êtes malade et vous prenez de l'hydroxychloroquine, si vous pouvez en avoir de façon presque clandestine maintenant, de l'azithromycine ou de l'artémisia, qui est une plante qui marche remarquablement. Les Chinois l'ont montré, ça a été redémontré en Afrique. Comme nos autorités sanitaires sont très vigilantes, l'artémisia, la France est le seul pays qui interdit la commercialisation de l'artémisia. Donc, en France, j'ai honte, j'ai envie d'émigrer à l'étranger ou dans un pays libre, parce que le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, est devenu le pays où on n'a plus le droit de rien faire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu, on va faire un petit retour en arrière, puisque c'est un livre qui a été publié juste après le premier confinement. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Ouais, on aurait plutôt dû intituler ce livre « Y a-t-il un crime qu'ils n'ont pas commis ? Covid-19, l'union sacrée de l'oligarchie vers un nouvel ordre mondial. » Donc, ce livre est écrit par Christian Perron, un médecin spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses. Au début de la crise du coronavirus, Macron a affirmé qu'il ne pouvait absolument pas présager de ce qui allait se passer. Son ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était plus rassurante. Elle expliquait le 24 janvier que le risque d'importation depuis Wuhan était quasi nul. Le risque de propagation dans la population était très faible. Tout comme le Tchernobyl, le coronavirus s'arrêtera aux frontières, bien sûr. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Tout va bien, tout est sous contrôle. Elle a assuré deux jours plus tard qu'aucune pénurie de masques n'aura lieu en cas d'épidémie du virus sur le sol français. On a donc décidé d'envoyer à l'étranger les masques qui nous restaient, et puis comme ça on a ramené le virus en France, à bord des avions de l'armée de l'air. En effet, puisque le foyer épidémique de l'Oise est parti de la base aérienne de Creil. Donc en fait on a échangé nos masques contre le virus. Et notre cher porte-parole du gouvernement, si bête, qui n'est peut-être pas si bête que ça, nous dit bien que de toute façon on ne pourra pas acheter de masque puisque ça sert à rien, c'est inutile si on n'est pas malade. Et c'est vrai, le masque c'est nécessaire que si on est malade. Et en plus, nous dit si bête, c'est pas facile de mettre un masque. Et vous savez quoi ? Moi je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque, mais en fait je sais pas l'utiliser. Et c'est pas facile de le porter non plus. Ensuite, on a 2 millions de masques qui sont arrivés de Chine. À peine l'avion a atterri, la cargaison de masques est détournée sur le tarmac par l'État, véridique. Un avion en provenance de Shanghai sur le tarmac de l'aéroport de Balmulhouse, objet de toutes les convoitises. À son bord, le nouvel or blanc, 2 millions de masques chirurgicaux commandés par la région Grand Est à la Chine. La cargaison est bien arrivée en France pour être livrée dans les hôpitaux. Mais tous les masques n'arrivent pas à bon port. Certains sont rachetés avant même leur décollage. C'est ce qu'a affirmé hier le président de la région PACA. Ce matin, sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash sur le tarmac et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis.
des masques détournés, symbole de la bataille que se livrent les pays du monde entier pour s'approvisionner, alors que la demande est de plus en plus forte. Selon le président de la région Grand Est, le combat entre États est quotidien. C'est vrai que sur le tarmac, les Américains arrivent, sortent le cash et payent 3 ou 4 fois plus cher les commandes que nous avons faites. Donc il faut vraiment se battre. Le Grand Est a acheté 5 millions de masques financés par le budget de la région. Pour lutter contre le Covid-19, la France a commandé au total 1 milliard de masques à la Chine. Une autre cargaison s'apprête à repartir de Chine pour la France, mais non, ils sont détournés par les États-Unis. C'est le Far West un peu. Des masques qui valent désormais de l'or. Sur le tarmac d'un aéroport chinois, une cargaison de masques commandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été détournée. Les Américains ont en fait surenchéri en payant cash et ainsi récupéré la marchandise. Martin Bourdin. Une scène digne d'un scénario de film qui s'est passé sur le tarmac d'un aéroport. La cargaison de masques est prête à quitter la Chine pour rejoindre la France. Mais c'est finalement vers les États-Unis qu'elle s'envolera, regrette Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un pays étranger qui a payé 3 fois le prix de la cargaison sur le tarmac. Ce que je sais, c'est que la commande qui était payée est livrable. A été détourné parce que acheté. Et les Américains n'hésitent pas à faire monter les prix. Jean Rotner, le président de la région Grand Est, le constate à chaque fois qu'il passe une commande. Aujourd'hui, nous recherchons par exemple des blouses, une surblouse de soins coûte habituellement 31 centimes. On la voit sur le marché mondial et sur le marché chinois tout particulièrement, aussi aujourd'hui entre 3 et 6 dollars. Alors pour éviter de se faire voler les marchandises, les régions sont obligées de prendre plus de précautions. Renaud Muselier l'a déjà fait pour sa région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut arriver à travailler avec les plus grosses compagnies chinoises et parallèlement à ça, sécuriser le transport. Car l'importation de ce matériel et notamment des masques est vitale. La France a besoin de 40 millions de masques par semaine. Le gouvernement espère en produire 10 millions par semaine d'ici fin avril. Mais rassurez-vous, les premiers masques finissent par arriver en juin pour le bonheur de tous. Et oui, une fois que ça ne sert plus à rien, que la vague épidémique est derrière nous. Vous pouvez dormir tranquille, on vous protège. Et si aujourd'hui, on vous oblige à vous masquer, ceux qui nous gouvernent sont démasqués. Alors on n'oubliera jamais cette allocution de Macron qui répétera 6 fois « Nous sommes en guerre » avec sa posture gaullienne qui était censée nous rappeler le jour de l'appel du 18 juin 40. Françaises, Français, Françaises, Français. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. Consigne sanitaire, barrière. Consigne sanitaire, barrière. Consigne sanitaire. Nous sommes en guerre. Guerre. Nous sommes en guerre. Guerre. Nous sommes en guerre. Oui. Oui. Nous sommes en guerre. Guerre. Vous l'aurez compris. Nous sommes en guerre. 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 Nous serons là. Merci de m'avoir écouté.